que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle journée avec nous. On est vendredi. C'est le dernier jour avant les vacances. Ouais. Ouais. Et c'est mon cours. Et c'est ma danse à me dire. Et elle a sa danse aujourd'hui. Elle a son petit spectacle de l'école ce matin. Et moi, j'ai hâte. Pour ma moto. Et lui. Ah oui, on leur a pas oui, dit. Moi, je suis à midi. Du coup, j'ai le parrain, la marraine de Maëlys qui se débarrassait du pocket cross de leur fils. Et Myron, ça fait 300 milliards d'années qu'il veut une moto. Donc, du coup, on a sauté sur l'occasion. Et du coup, on leur prend. Mon homme le réparera. Il y a juste 2-3 trucs à faire dessus. Donc, Myron aura son petit pocket. Voilà, il pourra en faire dans le terrain et tout. Ça va être trop bien. Donc, mais il est surexcité. Un casque de grand. Oui, bah évidemment. On va pas te mettre un casque de grand. Donc, voilà. Bref, il est trop content. Tiens. Comme je vous disais, il y a le spectacle de Maëlys ce matin. Il faut y être à 10h moins le quart. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que on va aller déposer après. D'abord Maëlys, après les loulous. Et ensuite, on va vite aller faire deux courses avec Shirley parce qu'elle commence qu'à 9h. Donc, on aura le temps d'aller chercher les deux conneries qu'il me faut. Il me manque quoi? Je sais plus qu'est-ce qui me manque. Juste des conneries. Voilà, il n'y a plus de sopalin, du produit vaisselle. Voilà, c'est juste 2-3 trucs comme ça. Et ensuite, j'irai la déposer. Il faut que je parte au truc là qui s'occupe de la cantine et tout. Et des activités pour pouvoir leur donner le rappel de vaccin de Myron. Parce que ça y est, il l'a fait mercredi et il leur manquait ça pour l'inscrire. Ils l'ont inscrit hein, parce qu'ils savaient que j'avais rendez-vous, mais je vais leur amener pour qu'ils fassent la photocopie. Aujourd'hui, ils vont manger à la cantine exceptionnellement aussi. Parce que du coup, le truc de Maëlys, je sais pas à quelle heure ça va finir. Et à midi, on a Shirley à aller récupérer parce qu'elle a pas cours cet après-midi. Après, en début d'après-midi, on a la conseillère Thermomix qui vient. Et puis, voilà, oui. Ce soir, moi j'ai la chorale. Shirley, elle a le hip-hop. Andrew dort chez Léonie. Il faut que j'aille chercher tes genouillères. C'est ça aussi qu'il faut que je fasse ce matin. C'est ça, il faut que j'aille chercher des genouillères. En plus, Kilou, il l'a marqué sur le groupe. Bon, ça y est, j'ai déposé Shirley et du coup, on est au pôle enfance famille. Je vais donner le truc à Myron là. Et puis, ah oui, du coup, je l'ai oublié. Non, je suis bête. Si je le prends pas, je peux pas aller bien loin. Du coup, là, hop. Du coup après je vais vite quand même aller déposer les courses à la maison mais en 2-2 histoire que les œufs soient au frais parce que jusqu'à midi dans la voiture sinon je ne pense pas que les œufs pour faire les œufs à la coque ce midi vont être assez frais. Elle est belle comme dans les magazines. Elle a des yeux, une vraie princesse. Et des cheveux qui tombent jusqu'aux fesses. Je vous en fais pas une histoire. Elle a une vraie tête de star. Mais elle a dit: allez, microbe, mais tu vas dégager là. Regardez comment tu es. La bienvenue, tonton, la bienvenue, tonton René. Les apparences faut pas siffler. Ouais, à chacun, à chacun, à chacun sa tête. C'est pas parce qu'on avait la qualité. Non, 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 non. À chacun, à chacun, à chacun sa tête. Et forcément, elle est une méchante étoile. À chacun, à chacun sa tête. Ah, elle a perdu son chapeau. Comme elle est un petit. À chacun, à chacun sa tête. Bravo! Maëlys! 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 Je
Attention. Du coup, ça y est, on redécolle pour la maison. Maïlis, elle est partie en trottinette avec papa. Elle m'a laissée toute seule. Toute seule. Donc, du coup, direction la maison. Il fait une chaleur de malade. Et en plus, on était en plein cani là-bas dedans. Ouh là là là, j'ai le cerveau, il est en ébullition totale. Donc, on va à la maison. On va se rafraîchir un petit peu avant de partir chercher Chéri. Ils sont là. Maïlis, elle n'est pas assez fatiguée d'avoir dansé et tout. Direct, elle rentre. Trampoline! Wouhou! Petit marsupilami! Elle a de l'eau, maman? Il y a de l'eau? Bah, c'est l'arrosé le matin. Non, c'est quand papa il a arrosé hier. Spring, spring. Wouh, tu sautes haut! Bravo! Oh là là, les belles tomates. D'abord, il faut enlever tout ça. Ouais. Faire propre, voilà, papa il les ramassera après. Yerk. Le chéri, c'est la terre. Maïlis, yerk. Oh là là, madame la mijaurée. Voilà, on en fait oui, ici. Oui, c'est d'accord. Oui, c'est, oui, c'est d'accord. Je suis d'accord. Ici, je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord, papa. Voilà, c'est bien. Oula, oula. Sur le gazon. Mets-la là-bas. Encore là. Au milieu, mon cœur, le trou. Voilà. Faut bien que ce soit au milieu. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Attends. On va mettre la première. Ouais, elle s'appelle Fleur Bidon. Celle-là ? Oui. Elle est belle ? Oui. Attends, on enlève le pot. Hop. On la met. Elles vont pas être trop au soleil, là, mon cœur ? Au contraire. Ah ouais ? Du coup, j'ai oublié de vous dire, quand je suis allée à Super U tout à l'heure, il y a des promos en ce moment sur les gâteaux. Et j'ai repris ça, du coup, pour les loulous. J'avais pris ça dans le retour de course parce qu'ils avaient aimé une fois qu'on avait pris Action. Du coup, je l'avais pris dans le retour de course que j'avais mis là, il n'y a pas longtemps. Et le paquet, il a fait tilt en 2 secondes. Et là, du coup, les 3 paquets étaient à 5,69€. Donc, ça vaut grave le coup parce que c'est presque 3€, je crois, hein. Donc, je trouve que ça valait vachement le coup. Et les Beredi, ils étaient à 4,58€. En sachant qu'il y a quand même 4 paquets. Donc je crois que c'est le prix de 15 en fait. Donc même avec 2 déjà, je sais plus en fait combien c'est le truc de 15. Je l'avais marqué la dernière fois dans le retour de course aussi. Mais bon, ça valait le coup. En tout cas, ça c'est certain.
Du coup, je leur ai repris ça et ça parce qu'alors ils ont clairement adoré. J'ai repris aussi mon eau de rose parce que je l'ai fini. Vous la verrez dans les produits terminés. Et j'ai pris celle-ci pour tester, pour mettre sur mes yeux. Parce que le bleuet, c'est apaisant et décongestionnant pour les yeux. Donc, je vais essayer de mettre ça sur des petits cotons ronds, vous savez, et de les poser sur mes yeux, les laisser bien imbiber pendant, 5 bonnes minutes, 5-10 minutes. Et je testerai pour voir si ça a un effet ou pas. Bon, voilà. Les amis, il est midi et je suis devant le collège de Shirley. J'attends que ça ouvre mes portes. Ça ouvre à 10. Donc j'ai 10 minutes à poireauter comme ça. Franchement, il fait juste trop beau. C'est un truc de malade. Franchement, ça fait trop du bien. Par contre, dans l'école de Maïdis, en plein calme, même les petits, c'était en plein soleil. Ils nous regardaient les yeux à moitié fermés parce que ben, du coup, ils avaient le soleil en pleine tronche. Donc c'était un petit peu moins top, je trouve. Ils étaient rouges écarlates quand ils ont eu fini leur défilé et tout, ils sont partis boire, ils n'en pouvaient plus, ils ont vidé les robinets de l'école, je crois. Voilà. Bon, papa est resté à la maison avec Maïlis, en train de bricoler dehors. Et puis voilà. Ensuite, on va rentrer, manger. Et à 1h30, il y a la concierge Thermomix qui arrive. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous tiens au courant de tout ça juste après. Hein, de toute façon, je vous dirai, j'ai craqué, j'ai pas craqué, est-ce que je réfléchis encore, je ne sais pas, parce qu'il y a Ludy de la chaîne Une Famille d'Enfer qui m'a dit, il y a le Magimix aussi, tu devrais voir parce qu'il fait plus de choses, il est plus gros, c'est à peu près le même prix et tout, donc je sais pas, je suis encore en pleine réflexion, je vous avoue, donc je vais voir, moi je sais que j'ai quand même l'habitude du Thermomix, je le trouve déjà très bien. Donc, je sais pas. Voilà, je sais pas. Bon, les filles, elles sont en train de miam. Un petit peu de thon à la tomate en attendant que les œufs, après, elles soient cuits. Tu veux que je te l'ouvre, peut-être? On dirait une mangeante. Croque dedans, peut-être ça s'ouvre. C'est bon, mon chat? Oh, tu sais que j'ai encore les... Non! Tu te gaves et c'est pas bon? Tu sais que j'ai encore les 4 donuts de ce matin. 4 donuts, elle a mangé ce matin au sucre. En 5 minutes. C'est une folle. Je sais pas comment elle fait. Bon, on mange tranquillement. Salut, ses amis. On se dépêche parce que sinon, après, il y a la... La conseillère. T'as intérêt de me garder du sorbet? La mousse au chocolat, elle fait du sorbet. Mais je veux du sorbet et de la mousse au chocolat. Vous avez intérêt de m'en garder. Mais pour ce soir, de toute façon, c'est la mousse au chocolat. Nous, on n'est pas en vacances, nous. Tiens. Et voilà les amis, 17h10, ma princesse elle vient de prendre la douche. Elle est toute propre parce qu'alors qu'est-ce qu'elle était toute crasseuse. Elle était toute pleine de transpiration, pleine de crayons. Du coup je vais aller amener Shirley au hip-hop, même si ça va être un petit peu compliqué parce qu'elle vient de se faire mal. Et après comme maman elle va à son cours de sang, ben elle va s'en faire mado. Je vais leur chercher McDo ce soir en sortant du cours de chant. Du coup, Charlie, elle allait au bout de sa vie. Elle s'est fait mal dans le trampoline. Elle a voulu faire l'arbre droit, mais il y avait une bestiole. Du coup, son bras gauche, il lui a lâché. Et je pense que ça a dû lui faire une sorte de, vous savez, d'élongation. Enfin, pas d'élongation, mais le muscle qui a tiré d'un seul coup parce que du coup, elle a mal. Elle est au bout de sa vie. En plus, ce soir, elle a les répétitions. Pour le coup, enfin pour le goupado, et il faut qu'elle se jette par terre en se rattrapant par les mains. Donc je pense que ça, ce soir, ça va être mort, elle va pas pouvoir le faire. On va voir. Bon, les amis, voilà. On est rendu à 18h quasiment. Je vais passer mon coup d'aspi parce que dans 3 quarts d'heure, il faut que je décolle pour aller à la chorale. Voilà. Et après, direction le McDo pour aller la rechercher McDo et récupérer. Après, je vais à 21h. Je me sens très fatiguée. J'aime. Coup de barre phénoménal, mais un truc de malade. Oula, moins de mon sucre. Donc voilà. À mon avis, ça va pas être Jojo la chorale. Du coup, je vais vous laisser. On va clôturer ce vlog pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un prochain vlog. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Voilà, faites de beaux rêves et puis à demain. Ciao.